À la suite de la conférence de presse du ministre de la Justice sur l'affaire Franklin, qui a été condamné à 7 ans de prison à l'île de la Réunion, et par rapport à la commission rogatoire et la demande d'extradition de Franklin vers l'île de la Réunion. 3 ans déjà, le ministre y a voulu se cacher derrière l'île de la Réunion, derrière la France, pour ne pas répondre aux questions des journalistes. Au Parti travailliste, nous demandons à ce que l'ambassade de France, l'ambassadrice de France, au nom de la France, et au nom de l'île de la Réunion, qu'elle éclaircisse la situation dans cette opacité que le gouvernement veut instaurer. Nous demandons à ce que l'ambassade de France éclaircisse cette situation qui éclabousse malheureusement les relations entre l'île Maurice et l'île de la Réunion, mais aussi la réputation de notre pays. Nous demandons que la France, au nom de l'ambassadrice, éclaircisse la situation.